Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo blabla et découvertos. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va englober pas mal de trucs. Il va y avoir la première partie où je vais parler de mon expérience avec le site Romwe et une deuxième partie où je vais vous montrer toutes les petites découvertes bien sympathiques que j'ai fait ma foi et dont j'ai envie de vous partager mes découvertes. Il y a à peu près un mois, j'ai été contactée par le site Romwe pour pouvoir tester deux habits que vous voyez derrière moi. Pourquoi je les ai pas sur moi et pourquoi vous ne les verrez pas porter dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que il y a une forte odeur chimique qui se dégage de ces habits et je ne peux pas les porter. En premier lieu, ce sweat qui est magnifique, c'est un sweat d'une super bonne qualité. Sachez que les deux fringues que je vais vous montrer là, ils ont au moins subi au moins 10 voire 15 lavages, donc super bonne qualité, ils n'ont pas bougé, sèche-linge et tout. Ils sont hyper bien coupés, je les ai portés quand même la première fois que je les ai reçus. La taille elle est parfaite, ça c'était un taille unique. Et la veste en jean ici, elle est tellement belle, c'est vraiment un bon jean quoi. Elle est en taille L. Voilà. Donc au niveau de la coupe, de la matière, franchement c'est juste parfait et c'est pour ça que j'ai pas jeté les fringues parce que j'ai espoir que l'odeur se dissipe. Ça fait 15 jours que je les ai. Je les ai lavés donc à 80 degrés avec du vinaigre blanc. Je les ai lavés donc avec ma lessive. Toujours, enfin je les ai séchés dans mon sèche-linge à froid. Ensuite, j'ai réessayé d'autres lavages en les faisant sécher sur ma terrasse derrière. Donc ça fait clairement 15 jours que ces fringues sont dehors. Au début, c'était impossible d'être dans la même pièce que ces vêtements. Vraiment, les prendre et les mettre dans la machine à laver, ça me donnait des maux de tête de malade. C'est en train de s'estomper. Après, je me dis que même s'il n'y a plus d'odeur sur les habits, qu'est-ce qu'il y a pu avoir dessus pour que ça sente si fort? Et je vous avoue que ça me fait vraiment très peur. Donc je sais pas si je vais les porter, franchement je les kiffe ma mémé la chèvre, mais je sais pas si je vais les mettre. J'ai vu qu'ils avaient les mêmes habits là sur le site de Shein, donc je pense que ma prochaine commande sur Shein, je vais les reprendre ces deux articles. Comme ça en même temps ça nous permettra de voir, parce que ça vient de Shein les deux, hein. Mais si ça vient pas de la même usine, si c'est pas le même entrepôt. Ma mère m'a dit que c'était des antifongiques qu'ils aspergeaient comme ça sur les habits, pour éviter qu'ils moisissent en fait dans le transport en bateau, en avion et tout, et que bah il suffit qu'ils aient mis plus de produits sur les habits, qu'ils aient été en début de fil, enfin qu'ils étaient plus aspergés que les autres pour que ça sente plus. Après elle m'a dit que normalement les antifongiques et tout, si tu mets à l'air libre, l'odeur disparaît. Donc là ça met vraiment vraiment du temps à disparaître, ça disparaît petit à petit. Mais ça met vraiment du temps et franchement, je sais pas si je vais les porter. C'est quand même une question de santé, hein. Je vais pas mettre ma santé en jeu pour mettre un sweat et une veste en jean. Voilà, comme ça, on peut revoir s'oser bien comme il faut. J'ai contacté le site de Romwe et ils m'ont dit de bien les laisser sécher au soleil un maximum de temps, les laisser tout le temps dehors pour que l'odeur se dissipe. Ils n'avaient pas l'air plus étonnés que ça, donc je pense que c'est pas la première fois que ça arrive. D'autant plus que ma cousine m'avait dit que sur le site, alors ça j'avais pas du tout fait gaffe, alors que moi je suis une psychopathe des odeurs, hein. Elle m'a dit que sur le site c'est un truc qui revenait souvent, ce problème d'odeur. Donc faites attention. Voilà ce qu'il en était pour ma petite expérience. Ensuite, j'ai fait des petites découvertances et notamment, vous savez que moi, je suis une fada des dents. J'ai testé, alors vous savez que j'ai fait déjà deux vidéos sur le sujet. La première, c'était une vidéo avec ces patchs. J'avais eu un débat dans les commentaires parce que c'est des strips en fait qui se collent sur les dents et c'est vrai que ça fait un peu mal au niveau, voyez, jonction. Dents-gencives. Alors au début, dans les commentaires, j'ai répondu à la personne notamment qui bossait chez un dentiste, je crois. Je lui avais dit que oui, si on l'utilise avec parcimonie, pas tout le temps et tout, ça peut le faire. Mais effectivement, je me rends compte qu'avec le temps, elle avait raison. C'est des bandes qui m'ont sensibilisé la gencive. Donc après, j'avais testé la méthode naturelle de Mercy Handy qui... pour ma part, n'avait pas plus blanchi que ça mes dents, mais au niveau de l'haleine, c'était juste un truc de malade. On avait vraiment une sensation de bouche hyper saine.
Donc c'était à base d'huile de coco. Et là, j'ai testé le troisième kit de blanchiment dentaire, on va dire. C'est le kit Bébrillance. Alors, pourquoi j'ai testé ce kit? Je l'ai testé parce que sur le marché du blanchiment dentaire, on va dire, c'est celui qui est le moins dosé en peroxyde. Et le peroxyde, donc, c'est ce qui sensibilise les gencives et les dents. Donc là, il y en a 0,1%. À l'intérieur, il y a le gel, la gouttière, on y reviendra, faut que je vous en parle, la lumière bleue que vous adaptez sur la gouttière comme ça pour blanchir, pour activer le gel. Avec un dentifrice qui nettoie et qui blanchit, donc c'est à la pomme et c'est une mousse, c'est un truc de fou, hyper inédit, c'est génial. Cette brosse à dents en bambou qui est super jolie et qui est hyper souple, donc pour le brossage, c'est génial. Un énorme coup de cœur pour ce dentifrice là qui nettoie et qui blanchit. Vraiment, ça donne un coup d'éclat à vos dents dès les premières utilisations, je le trouve vraiment génial. Et le kit, donc alors moi j'ai celui au citron, vous en avez à la menthe, ananas, framboise, fraise, pomme, passion, citron et coco. C'est un système de seringue comme ça. Un trait, ça se met sur la gouttière du bas et un autre trait, la gouttière du haut. Une seringue, vous en avez pour 10 utilisations. Donc là pour l'instant, je l'ai utilisé 3 fois. Alors, je voulais vous parler de la gouttière. J'avais commandé déjà, moi, des gouttières. Vous savez, j'ai une dent ici qui s'est tournée. Du coup, je voulais m'acheter une gouttière pour la nuit, pour éviter que ça bouge trop. Et en fait, comme moi, j'ai pas les dents hyper droites, la gouttière m'allait pas du tout. Du coup, je me suis dit, c'est un système de gouttière à l'intérieur, peut-être que ça va pas du tout aller. Et en fait, elle est hyper souple et du coup, ça s'adapte magnifiquement bien. La petite lampe s'adapte super bien aussi. Vous voyez, ça se bloque. Hop, là. Vous mettez, ça active en fait le gel. Vous mettez ça dans vos dents comme ça. Et il faut laisser poser entre 15 et 30 minutes. Moi, personnellement, je le fais devant Plus belle la vie le soir. Voilà. Faites-le le soir parce que après, faut éviter de manger. Buvez pas un café après avoir fait ça, par exemple, tu vois. Et j'ai vu une différence au niveau de la brillance, surtout. Brillance, bébrillance. Il y a peut-être une corrélation. Elles sont hyper scintillantes et lumineuses, tu vois. Ça fait un petit peu tu vois le sourire dans les dessins animés, là où t'as la petite étoile quand les gens ils sourient comme ça. Voilà. Donc je vais vous mettre tout en barre d'infos si vous voulez plus d'informations. Ensuite, pour les petits piou-piou, parce que oui aussi, je suis à la recherche toujours de la pointe de la technologie en ce qui concerne les bébés, tu vois. Je me tends vraiment sur des produits, tout ce qui est soins, j'essaye que ça soit le plus nickel possible. Donc pour mes enfants, c'est encore pire, si tu veux. Déjà pour moi, j'ai un taux d'exigence assez élevé. Pour mes enfants, c'est la bérésina. Pour le change, pour ma fille, moi elle fait ses dents donc elle a plein de diarrhée. Donc il faut lui changer la couche très souvent. Et donc pas lui agresser ses petites fessounettes, la pauvre. Moi, ce que j'utilise en temps normal, c'est le liniment oléocalcaire de chez Gifrère, que vous avez dans les parapharmacies et dans les pharmacies. Moi je le trouve dans ma pharmacie. Contient de l'huile, 100% d'olive extra vierge, pression à froid. Pas d'autre huile ajoutée et de l'eau de chaux. 99% des ingrédients sont d'origine naturelle. Voilà, je trouve que c'est nickel. Mon fils n'a jamais eu de fesses rouges ou de boutons sur la peau ou d'irritation ou quoi que ce soit uniquement avec ça. Je nettoie tout avec ça. Il n'y a pas de lingette ni de quoi que ce soit. C'est soit ça, soit de l'eau. Et je me suis dit que sur du bio, ça pourrait être encore mieux. Et du coup, sur Octoly, j'ai vu que Cathier avait fait le liniment, les nettoyants pour le change hypoallergénique. Donc Cathier, qui est une marque bio, je l'adore. Franchement, c'est exactement la même chose que le liniment Gifrère. Je vois pas de différence sur la peau de ma fille. Celui-ci est bio. Voilà. Et avec, il y avait la crème Et avec, il y avait la crème peau. Là. Le cerveau de la petite graine de paillette est demandé à l'accueil. Le cerveau de la petite graine de paillette, merci. Donc avec le liniment, ils m'ont envoyé la crème protectrice pour le change. Donc zéro conservateur, hypoallergénique, voilà. Moi, comme j'utilise du liniment, c'est vrai que cette crème pour le change, je l'utilise vraiment en cas de sécheresse ultime
Ou là, par exemple, comme elle est en train de dédoubler les gencives et tout, elle a un peu les fesses rouges, mais c'est vraiment léger. Je lui mets quand même ça. Donc ça remplace la bépanthène et tout, et ça a une meilleure compo. Et ma foi, bah voilà quoi. Dès qu'elle a les fesses un petit peu rouges, je lui mets ça et tout redevient normal. Hein. Donc Katia, super. C'est surtout le liniment qui est génial ici. Et ma dernière crise d'amourance, c'est ce que j'ai sur les lèvres. C'est la première fois pourtant, voilà, hein, moi j'adore les rouges à lèvres, j'en ai testé des milliers et des cents, c'est la première fois qu'un rouge à lèvres rouge comme ça, sans transfert, tu vois, je peux bouger comme ça, je sais que j'en aurai pas partout, c'est un truc de malade. Il est génialissime. De une, on le sent pas. Ah oui, bah faut peut-être que je te dise ce que c'est. C'est le Always On Liquid Lipstick en teinte Bose de la marque Smashbox. Ça se présente comme ça. Le petit applicateur, c'est le même applicateur que les Estée Lauder. Il est génial. Il est génial. Tu vois, d'où t'as un rouge à lèvres rouge et tu peux faire ça. Sans en avoir nulle part. Bon, j'en ai un petit peu parce que j'ai abusé là, mais. Tu vois, c'est pour te dire, tu vois, je l'ai fait à la brutasse. Est-ce que j'en ai quelque part? Nulle part. C'est la première fois qu'un rouge à lèvres me fait ça. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que je n'ai pas de rouge à lèvres sur la bouche. Tu le prends, enfin moi, comment je l'applique? Je le prends, j'essuie comme ça les bords, tu vois, pour qu'il y ait quasiment plus de matière dessus. Et je fais toutes mes lèvres avec. Je n'ai aucun effet de matière sur la bouche et ça tient toute la journée. La dernière fois que je l'ai pris, je suis allée manger au resto. J'ai mangé une salade César avec la sauce, tu vois. Enfin, voilà, c'était un peu gras. Mais bon, je fais attention, j'ai pris une salade quand même. Ça s'était juste un petit peu estompé au cœur de la lèvre. Mais voilà quoi. Ça bave pas, rien du tout. Et je le mets sans mon baume à lèvres. Sinon, si une fois je l'avais mis avec mon baume à lèvres et ça a tendance un peu plus à migrer. C'est moins mat et tu sens qu'il y a de la matière quoi. Donc à la limite, tu peux mettre ton baume à lèvres par-dessus le rouge à lèvres. Si tu le mets sans baume à lèvres, il assèche pas plus que ça les lèvres. Il est magnifique. Non mais surtout, enfin voilà quoi. Tu peux toucher tes lèvres sans t'en foutre partout quoi. Et ça pour moi, c'est une révolution. Voilà, mon petit assistant est à la piscine. Donc là, je suis en stress optimal, tu vois. J'ai fait une petite vidéo comme ça, j'y pense moins. Mais les prochaines vidéos qui arrivent, normalement, il devrait être dans les parages. Parce que, il m'a dit qu'il en avait marre. Hein. Ça fait 2-3 vidéos qu'il n'est pas dessus. Et voilà quoi, il ne trouvait pas ça normal. J'ai pris rendez-vous ce mois-ci pour tester un truc. Je suis en transe, j'ai trop hâte de vous montrer. Voilà, je vous fais des gros 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 bisous et vous remercie vous tous qui me regardez sur votre télé, sur votre tablette, sur votre téléphone, dans le bus, aux toilettes, dans votre lit. Je vous remercie tous autant que vous êtes. Je vous remercie les filles qui me regardent, les enfants qui me regardaient et qui attendaient patiemment que Sosé bouge. Je remercie aussi les conjoints qui sont très gentils et qui laissent leurs copines regarder mes vidéos et puis ceux qui regardent aussi tous en famille. Voilà, je vous adore, je vous jure, quand je parle de vous comme ça me boum. Tu vois? Sans transfert.